every minute of this. I deserve every minute of this. At the end of the day, I make my own plans, decide my own fate. I am what I am. At the end of the day, I make my own plans, decide my own fate. Bonjour, il y a quelques temps, nous étions à Toulouse pour partir à la rencontre de Dogart. Aujourd'hui, nous sommes à Orléans, partir à la rencontre des Sinons de la police municipale d'Orléans. Donc je vous invite à me suivre pour une journée découverte avec eux. Allez, suivez-moi. Decide my own fate. I am what I am. I sit on my side in the wilderness alone. In the wilderness alone. Bonjour Pascal. Salut Nicolas. Bonjour Rudy. Bougie. Bonjour Soute. Donc nous voici au pôle Sino de la police municipale d'Orléans. C'est ça. Donc vous allez m'expliquer le fonctionnement et qui vous êtes. Donc en gros, donc on est Crudy, Pascal Ponsard, donc on est tous les deux moniteurs cynotechniques, donc policiers aussi municipal donc à Orléans. Le but du pôle cynotechnique d'Orléans en fait était de créer en fait un centre de formation interne pour pouvoir créer en fait nos propres cynotechniciens, donc des policiers. En France, il n'y a pas forcément de structure en police municipale, en tout cas pour la formation. Et on a voulu créer en fait cette formation pour faire une formation initiale, donc de créer, avoir un programme de maîtrise sur le chien et pouvoir partir après sur une formation continue, donc durant la durée de l'activité du chien en tout cas, jusqu'à à peu près 10 ans, et on part sur une formation continue après. D'accord, donc en gros, un non-sino qui arrive en PM passe par ce centre, se forme et intègre une brigade sino. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va déposer son CV, il va passer devant une commission et ensuite il passera une formation de 6 semaines en formation initiale. Et ensuite il y aura une formation continue qui est obligatoire, qui se fait tous les mardis. D'accord. Donc à l'intérieur de ça, on incorpore quand même des non-sinos. Parce que sur la voie publique, il y a une intervention du sino et du non-sino. Donc il faut qu'ils sachent quand même comment se positionner, comment interpeller un individu, comment se placer. Et donc ça, c'est le plus. Ils sont demandeurs et en même temps, nous également. Une fois formés, où vont les maîtres chiens ? Donc ils sont répartis, donc il y a l'UREC, l'unité rapide d'assistance et d'intervention cynophile. D'accord. Donc ensuite il y a les BSI, brigade de surveillance et d'intervention cynophile. Et ensuite il y a la police des transports, intercommunalité, donc, qui est la première qui a été créée en France. La première qui a été créée. Donc on forme tous ces chiens-là. D'accord. Ces chiens, donc en formation initiale et continue. D'accord, ok. Et après les sinos sont entre sinos ou alors c'est un sino par brigade, comment fonctionne? Non, le but en fait c'était de créer en fait des cynotechniciens qui sont intégrés en fait en mixité dans les brigades. D'accord. Ça veut dire qu'on en a mis au matin, on en a mis dans l'après-midi, on en a mis en soirée, en tout cas en nuit. Plus après une unité un peu particulière, l'UREC, qui n'a pas forcément d'horaire, qui s'associe en fait aux missions et à la demande. D'accord. De la direction. Et donc les missions sont diverses et variées, j'imagine. C'est ça. Que comporte cette formation? Qu'est-ce que vous faites voir aux nouveaux sinos ou même aux plus expérimentés qui changent de chien ou quoi? C'est le programme. Le programme, donc on a constitué un programme sur 6 semaines. On part sur un chien personnel, conventionné avec la collectivité pour que ce chien travaille à la police municipale, pour la police municipale, mais on part déjà sur un chien personnel, donc on voit si l'agent s'investit déjà dans l'achat d'un chien, dans la structure d'un chien, savoir s'il comprend bien les choses. La convention, en fait, elle est d'une durée d'un an, d'accord. S'il y a des problèmes, elle peut être arrêtée. Carrément, elle est cassée pour X raisons, ou sinon elle est en reconduction tacite. D'accord. Et dans les critères, c'est pareil, ils ont 2 heures
maximum d'alloués par semaine pour l'entraînement. Pour l'entraînement ? Chaque entraînement, chaque chien. Et donc ça, c'est obligatoire. Si le cynotechnicien ne vient pas, à chaque fois, on peut casser la convention. D'accord. Donc là, vous allez en fait juger la motivation. C'est ça. Tout à fait. Du maître. Le chien. Oui. Parce qu'un chien ne peut, ça se trouve, ne pas aller pour ce genre de métier. Oui. L'investissement du maître à côté. Ça. Vous leur demandez quelque chose à côté du centre, chez eux ou... Ben, déjà d'avoir une structure, en tout cas chez eux. Alors, on ne demande pas d'avoir un chenil, hein, mais au moins d'avoir une structure. Déjà, au moins, s'ils reçoivent du monde ou quoi que ce soit, ça reste quand même un chien d'intervention. D'accord. Qui a été dressé. Même s'ils sont équilibrés, on leur demande donc quand même d'avoir un mode de sécurité, en tout cas chez eux. D'accord. On leur demande aussi à ce qu'ils s'entraînent régulièrement, qu'ils soient physiques. Quand ils se présentent, on demande aussi à ce qu'ils préparent aussi leur chien. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font à l'extérieur sera bénéfique, ça veut dire aller courir avec le chien, aller faire du canicross, aller faire du cani VTT. On leur demande tout ça. D'accord. Alors, ils le font ou ils ne le font pas, mais nous, on le voit sur le terrain. Oui, bien sûr. Ça veut dire bien qu'en fait, tous les ans, on reconduit en tout cas cette convention et on en discute si on reconduit ou on ne reconduit pas. D'accord. Et donc là, ce que tu disais, c'est de votre choix, vous pouvez mettre fin au binôme. C'est si ça. Ça correspond pas aux attentes voulues. Aux attentes, et puis il y a une convention. Dans la convention, c'est bien stipulé hein, que les entraînements sont obligatoires, d'accord, qu'il faut mettre à disposition le chien pendant sa vacation. Si la personne n'amène jamais son chien ou ben, il vient jamais à l'entraînement, ben, ça sert à rien avec une autre. Donc là, on met terme à la convention. Après on est conscient aussi que la personne peut avoir un changement de vie, un changement de vie, c'est pas une vie personnelle, ouais. Et effectivement, bah, sa spécialité ne fonctionnerait peut-être plus avec la spécialité, enfin, sa spécialité ne fonctionnerait plus avec sa vie personnelle. D'accord. Et là, effectivement, on essaie de trouver un compromis, quitte à arrêter la spécialité, ouais, en tout cas, c'est le bien-être de l'agent avant tout. D'accord. Tiens, un carnet d'entraînement, qui est obligatoire, ouais. Donc, et là, à partir de là, on voit l'évolution. Ou pas, s'il y a sur l'animal, ou si le maître, on voit qu'il se comporte mal, on peut le reprendre et puis lui dire, voilà, là ça va pas, il y a ça à travailler à l'extérieur, comme on disait tout à l'heure. Le fond, si le chien il n'a pas de fond, nous on n'aura pas de résultat sur ici et il ne sera pas opérationnel sur la voie publique. Bien sûr. Donc là, ça va pas. Après, on le voit à chaque entraînement, chaque semaine, on voit l'évolution et du chien, on voit si tout se passe bien, si la motivation est toujours présente, si la personne est toujours présente également aux entraînements. Donc, c'est du constant. On n'a pas besoin de faire un entretien, dire au bout d'un an, fin l'entretien, ça va pas. Non, c'est toutes les semaines, on le d'accord, voit. Okay. C'est sûr, c'est continu. En fait, voilà. C'est une formation continue. Hein. Ouais, formation continue. D'accord, ok. Bon, ok, merci pour toutes ces explications, en tout cas sur le déroulement et surtout sur la structure du pôle CIO. Donc, merci. Si tu veux, on va te faire une petite démonstration d'un chien opérationnel avec grand plaisir. Parfait. I spend all my time in the wilderness alone. Down on my bone. Every minute of this!
end of the day, I make my own plans, decide my own fate. I am what I am. At the end of the day, I make my own plans, decide my own fate. I am what I am. At the end of the day, I make my own plans, I decide my own fate. I am what I am. At the end of the day, I make my own plans, decide my own fate. I am what I am. I sell my time in the wilderness alone. In the wilderness alone. Wash all the blood off before I get back home. Before I get back home. The charred barrels, the mortar from my stone. Deserve every minute of this.